The President, please be seated. The chamber is in session. Before the adjournment, Judge Lavergne was putting questions to the accused, so I would like him to proceed with further questions. Vous avez indiqué au cours de ces débats que les cadavres des prisonniers exécutés avaient été soit enterrés à S21 ou aux alentours de S21, soit à Chang'ek. Il y a eu au cours de l'instruction ce que l'on appelle une enquête de voisinage qui a été effectuée auprès d'un certain nombre de personnes vivant aux alentours de ce qu'on appelle actuellement le musée de Toulslang. Une des personnes interrogées, son interrogatoire figure à la côte D49-7. D49-7 je ne pense pas nécessaire de donner le nom de cette personne, simplement lire une partie de son témoignage. Donc, elle explique qu'elle est revenue dans les années, au début des années 1980 pour retrouver la maison qui était sa maison natale. Je suis venue ici en 1981 avec ma famille. Donc elle explique qu'elle a vu que le quartier était entouré de palissades, mais que la maison de ses parents n'avait pas changé. Il y avait des bananiers plantés autour. La maison avait trois compartiments. Dans le compartiment du centre, les meubles n'avaient pas bougé. Ils étaient juste un peu plus vieux. Et elle dit également ceci. Cette maison avait été utilisée pour stocker des cendres. Des gens du peuple de base m'ont dit que ces cendres étaient des cendres humaines qu'on utilisait comme engrais. Alors, c'est dans le dossier. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez lu ce procès-verbal d'audition, si vous avez des commentaires à faire? Est-ce qu'on a incinéré des corps et est-ce qu'on a envisagé d'utiliser des cendres ainsi récupéré à des fins d'engrais? Je me représente le cas Kram. The accused. Your Honor, I have never read this document. Monsieur le juge, non, je n'ai pas lu ce document. If I can conclude, I may say that je crois pouvoir dire at that time no detainee was burned. Qu'aucun détenu n'a été incinéré. The four Westerners. À l'exception des quatre occidentaux. Which we received from the order from the superior to burn them to ashes. So we did not burn any other detainees. Nous n'avons brûlé personne d'autre. I therefore cannot elaborate further. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Alors, me semble-t-il, il y a d'autres cadavres que ceux des Occidentaux qui ont été brûlés. Vous avez également fait état que de ce que des cadavres de Takmao from
to make a present look at Gram. But maybe come out in the accused. I did not order that the corpses in Takmao be burned to ashes. Takmao soit brûlé pour en garder les cendres. I did not order them to be burned to ashes. On brûle les corps à Takmao pour en faire des cendres. I never thought or had any idea why the ashes of the corpses were ever used as et the fertilizer. Eu pour idée que on allait utiliser des cendres de tirées de corps humains comme engrais. I don't believe that the corpses in Takmao were used as the fertilizer anyway. Des prisonniers à Takmao aient servi d'engrais. Alors, une autre question concernant un autre sujet différent. Another question on a different topic now. Il s'agit des transferts entre S21 et between S21 to Chung-Ek from S21 to Chung-Ek. Est-ce que vous confirmez que ces transferts se faisaient essentiellement these transfers took place chiefly at night? Et est-ce que personnellement vous avez assisté à des départs de convois personally present ou bien when est-ce que vous avez contrôlé the trucks ces départs left, or did you personally ever check and control the departures of these trucks? I never checked or controlled when the trucks left or when they came in. Pas plus à l'arrivée qu'au départ. Donc vous ne savez pas s'ils avaient lieu de nuit ou de jour. So you don't really know whether they took place at night or in the daytime. The accused. When I checked at Chung-Ek, I was asked to quand go there at night. That's why I conclude that the detainees c'est were transported at night. And I believe that when the operation took place at night, the confidentiality would be well maintained. Se justifiait par le souci de garder le secret. Alors, une autre question concernant cette fois-ci les photos. Question, now, about the si j'ai bien compris ce que vous avez dit, les photos étaient réalisées exclusivement lorsque la demande en était faite par l'échelon supérieur. This, c'est exact from the upper echelon. Is this correct? The accused. Réponse. Your Honor, the key people ordered by the superior to take those the photograph of those people and that the photograph had to be sent to the superior. Et il fallait ensuite envoyer ces photos au supérieur. For other photos of detainees, pour d'autres détenus, for example, there was a case when I went to Dual Slang Genocidal Museum, there was a photo shown to me. Une fois, je suis allé au musée de Dual Slang et on m'a montré une photo. Who died and was left on the corridor qui était mort et qui before été he was et dont taken le cadavre out. His photo was taken. Se trouvait dans le couloir. C'est là qu'on avait pris la photo du cadavre avant qu'on emmène le corps.
And the co-investigating judges asked why this person was, his picture was taken like that. Then Comrade T, the person who knew the story, told the co-investigating judges that the picture was taken to prove as, that the person died, obviously. So people who died at dual slang, especially people who were not key detainees, their photos were taken only to prove that they perished. The photos prove that the implementers of the task would not release them. They did die. Les personnes responsables, le monde du personnel de S21 n'avait pas laissé ces personnes s'échapper, que ces personnes étaient bien mortes. Excusez-moi, je pense qu'il y a eu à nouveau un problème de traduction. J'ai entendu pour les personnes qui n'étaient pas importantes, on prenait des photos. C'est exactement l'inverse. Il faut corriger sur les transcripts. Donc, ça doit être corrigé sur les transcripts. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit pour les personnes qui étaient importantes ou les personnes qui n'étaient pas importantes, on prenait des photos. Pour les deux. Voilà. Alors, expliquez-vous. Please explain, says Judge Laverne. Comme somebody accused, I would like to emphasize this matter as follows. Je peux vous dire ceci. First, the key persons, tout d'abord, il y avait des personnalités the upper echelon importantes pour lesquelles les choses supérieures avaient donné l'ordre express que des photos soient prises. After the photos were developed, ces photos then they would be sent to the upper imprimées echelon. Et envoyées à l'échelon supérieur. Number two, deuxièmement, people who are not very d'autres prisonniers qui n'étaient pas très importants, but they died in qui S21. Sont morts à S21. The guards, et dans ce cas, les gardes had to take their photos, devaient prendre une photo du cadavre to pour prouver, to show to the chairman of S21 that the S21 people already died, que they ces prisonniers were not étaient released. Déjà morts et qu'ils n'avaient pas été libérés. In order to prove that they were faithful, that they did not release any detainee and that the Ankar should be well informed. Et que l'Ankar, il s'assurait que l'Ankar en était informé. That's all, Your Honor. Voilà. C'était une majorité de détenus so qui étaient pris en photo ou c'était plutôt une exception? Et est-ce que vous avez une idée du nombre de photos qui ont été prises? Or a minority? Was it an exceptional gesture or was it for a majority of detainees? Your Honor, accusez, Monsieur le Juge, the photos with name tag les photos on them, avec des, sur lesquelles il y avait des noms, des étiquettes portant les noms. The photos with numbers on their des chest, présentant des according to my instruction, sur la poitrine, had to be
take the detainees had to be taken photograph. So every one of them. Des photos devaient être prises des prisonniers avec des noms, des nombres, des chiffres sur ces prisonniers. But regarding some key detainees, their photos were taken, but not with the name tag attached to their chest. Leurs photos ont été prises sans apposer sur leur poitrine de chiffres. So far as I remember, Khoi Thuan was not taken. D'après mes souvenirs, the photograph of Khoi Thuan was not taken while he had the name tag attached to his chest, like the others. A été prise sans qu'il y ait d'étiquette sur laquelle était porté un chiffre. That's all, Your Honor. Voilà ma réponse, Monsieur le Juge. Mais selon vous, ces photos de cadavres, ce sont des centaines, ce sont des milliers de photos qui ont été prises? Are we referring to hundreds of photos? Et est-ce que vous regardiez chacune de ces photos? And did you scrutinize each one of these photos? Réponse, Monsieur le Juge. The photos that were to be sent to the upper echelon, qui devaient être examined each one of them. Eh bien, j'ai examiné chacune de ces photos. As for the photos of the corpses at S21, I never looked at those photos. Je n'ai jamais regardé ces photos. Mais est-ce que tout Est-ce que toutes ces photos n'étaient pas destinées à être transmises à l'échelon supérieur? Were they not all supposed to be sent up to the upper echelon? The accused. Réponse. The photos of the less important prisoners taken at S21 were not meant for me to be sent to the upper echelon. N'avait pas pour but que je les transmette à l'échelon supérieur. They were taken in order to protect themselves when asked by the upper echelon. À protéger les personnes lorsque l'échelon supérieur leur posait les questions. For instance, par exemple, a photo of une teacher Damsarun. De Damsarun, l'enseignante. If she died because of sickness, her photo would be taken. Si elle était morte de maladie, sa photo aurait été prise ou était prise. And later on, if Anka plus tard recognized that somebody else was Damsarun, then Anka would question me. Une personne ou identifie une personne comme étant Damsarun, à ce moment-là, Ankar me poserait des questions. And if Ankar questioned me, then si I would question my subordinate me whether they have the photo and the serial number of Damsarun. À mes subordonnés s'ils disposaient d'une photographie et d'un numéro. Correct, whether Damsarun was released or not. Si Damsarun était remise en liberté ou pas, si on me posait cette question-là. So after I asked the subordinates and if the subordinates have the photo to show me that she is dead. Je demandais alors à mon subordonné s'il disposait d'une photographie, si une photographie m'était transmise par mon subordonné. So if my subordinates show me the evidence, the photo si of the dead Damsarun, une photographie comme pièce à conviction, comme preuve que Damsarun était morte, then
Therefore, this is just to protect themselves. Nobody dared to release anyone. L'objectif était de se protéger, car personne n'osait libérer qui que ce soit. So in conclusion, some photos were not sent to the upper echelon, and I myself did not see those photos. Je n'ai pas vu ces photos. The photographs were taken in order to protect themselves if they were asked by the upper echelon. Ou par mesure de protection, si jamais l'échelon supérieur nous posait des questions. And I would like to clarify that the story of the example that I provided in the case of teacher Damsarun was just an example. I did not mean that there was a photo of her dead body. Je ne veux pas dire qu'il y avait une photo de Damsarun, du cadavre de Damsarun. C'est pas ça du tout. C'était juste à titre d'exemple. J'ai une autre question concernant la fin, je dirais, de S21. Vous avez expliqué que vers la fin de S21, vous avez demandé de procéder à des exécutions de masse. Est-ce que ces exécutions répondaient aux mêmes objectifs que ceux des exécutions antérieures ? Parce que vous avez dit que principalement, les exécutions de masse étaient faites pour éviter un trop grand nombre de détenus, ce qui posait des problèmes sanitaires, des problèmes d'alimentation et aussi des problèmes de sécurité, parce qu'il fallait éviter des risques d'évasion. Mais quand on en vient à la fin de S21, à la période de fin 78, début 79. Cette dernière exécution de masse qui a été ordonnée, est-ce qu'elle a été ordonnée pour les mêmes motifs ou est-ce qu'elle a été ordonnée pour des motifs différents? Réponse 1, Monsieur le juge. At the final stage, on the 2nd and the 3rd of January 1979, 2 et 3 janvier 79, pendant la dernière phase de l'existence de S21, the killing was for a different purpose. Les exécutions avaient un objectif différent. And the purpose was l'objectif to have no prisoner remaining at S21. Qu'il n'y ait plus de prisonniers à S21. Because the upper echelon seems to think that they would be defeated by the Vietnamese. Ils allaient être vaincus par les Vietnamiens. And at that time, Uncle Noon called me for work assignment. Oncle Noon m'a convoqué. And he said, "Comrade Dunch, you had to remove all the prisoners to Chiang Hai." Emmener tous les prisonniers à Chiang Hai. I asked him immediately, "What about the Vietnamese whom we kept to interrogate?" For radio broadcast, and he replied that all the prisoners had to be removed. Les interrogatoires soient diffusés par voie radiophonique, et il m'a répondu que tous les prisonniers devaient être emmenés. And he also said later on we could of course get more Vietnamese prisoners of war. Il a dit plus tard, on pourra toujours faire d'autres prisonniers de guerre. Vietnamien. That's why I said for those pour ce que j'ai four dit or eight people, I would like to keep them for interrogation. J'aimerais garder ces quatre ou huit autres personnes pour les interroger. I would like to keep them for interrogation. Le groupe de huit personnes.
The unit was called Yo 8. Dont le nom d'unité était Yo 8. It's the short form for Y8. C'est-à-dire Y8. C'est une forme abrégée. Y8. So the four Yo 8 combattants, donc les quatre which soldats were arrested, de cette unité qui ont été arrêtés, to keep them for j'ai interrogation. Proposé de les garder pour les interroger. He said he agreed, but then il that I had to be responsible et if ensuite, any mishaps happen. Si quoi que ce soit se passait, j'étais responsable de ces personnes. And after that, I still could not think that the Vietnamese were approaching the city. De la ville. I thought the prisoners were removed in order je to have more place for the new coming prisoners. Pour faire de la place pour les nouveaux prisonniers arrivant. Therefore, I was afraid. Oh, maybe, probably peur. It's going to be my turn. Peut-être que mon so tour I felt va exhausted, arriver. Uncomfortable, and I couldn't work, and I just je kept fatigué, sleeping. Je n'arrivais pas à travailler. So in conclusion, pour conclure, I rest these details is to show that the j'ai purpose that the upper echelons to remove the remaining prisoners. L'échelon supérieur m'a ordonné d'emmener les prisonniers qui étaient là, qui restaient. Was not in order to leave et l'objectif room n'était pas for the new de faire de la place prisoners pour les nouveaux prisonniers, before. Comme cela avait été le cas par le passé. However, I personally I thought the existing prisoners were removed in order to make room to accommodate the new coming prisoners. Pour être exécutés de manière à faire de la place pour les nouveaux prisonniers arrivant. C'est ce que je pensais. So therefore, my understanding at the time was wrong from the. It was not the reality of what happened. Était erroné. Cela ne reflétait pas la réalité de ce qui se passait. This is my response, Your Honor. Ceci conclut ma réponse, Monsieur le juge. Il me semble qu'il y a Judge Lavergne, I believe that contradiction there is a contradiction in what you just said. Puisque vous avez indiqué au début de votre réponse que, selon vous, l'échelon supérieur pensait ou semblait penser qu'il pourrait être vaincu par les Vietnamiens. Et pour autant, vous dites que vous n'avez pas compris ça, en tous les cas, pas compris cela à ce moment-là. Donc, vous avez même suggéré de garder quatre prisonniers de guerre vietnamiens, cinq. The accused, I propose to keep four combatants from the White 8 unit or Yo 8 unit for interrogation. Pour les interroger. This White 8 unit was the group who shot the foreigners. C'était le groupe qui avait exécuté les étrangers. When Elizabeth Becker and Richard Edmonton were in Cambodia. Richard Edmonton était au Cambodge. Richard Batman. When they visited Cambodia. So they were not the soldiers of Vietnam. Il ne s'agissait pas de soldats vietnamiens. There were not eight of them. Et il n'y en avait pas huit. They were the soldiers who defend the Ministry of Defense. Qui défendaient le ministère de la Défense.
they were the people who shot and assassinated the British journalist Richard Batman, who visited Cambodia at the time. Richard Batman, qui à l'époque s'était rendu au Cambodge. So this is my clarification. That's why I propose to keep them in order to interrogate them. De les garder afin de pouvoir les interroger. Est-ce que à un moment quelconque dans vos conversations avec Nunchair, vous avez celui-ci vous a dit qu'il fallait prendre des dispositions éventuellement pour replier, pour quitter Phnom Penh et pour éventuellement supprimer des traces ou enlever des preuves. Est-ce que ça a été abordé à un moment quelconque, ou est-ce que, selon vous, vous pouviez imaginer que Nunchair lui-même envisageait une telle déroute? Collapse? The accused, Your Honor. Réponse, Monsieur le Juge. Nunchair and Pol Pot, who were in Phnom Penh, qui se trouvaient à Phnom Penh, they only took their protective preparatory measure at the time. Ils n'ont pris que des mesures de protection, des mesures de des préparatifs à l'époque. Both Nunchair and Pol Pot did not believe that the Vietnamese troops would reach Phnom Penh so early. Arriveraient aussi rapidement à Phnom Penh. And the evidence was the surviving documents at the office. Les documents qu'on a pu retrouver 870, au bureau 870. They were untouched. N'ont pas été touchés, n'ont pas été supprimés. Both Nunchair, Pol Pot, and Khieu Samphan fled hastily when Vietnam entered the city. Lorsque les Vietnamiens sont entrés dans la ville. That was the situation that I learned at a later stage. Ça, c'est ce que j'ai appris plus tard. That was what happened. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on Judge vous dit Laverne, il ne faut so plus qu'il y ait de prisonniers à S21. There should be no longer any prisoners remaining at S21. Donc, selon vous, c'est avec l'idée que peut-être il va y en avoir d'autres prisonniers qui vont arriver et que les choses vont se poursuivre. Thought that other prisoners were going to arrive and that things were going to continue. Néanmoins, but however, quitter S21. You were told to leave S21. Vous avez donné l'ordre d'exécuter les quatre soldats du groupe Y. 8. Soldiers from group Y8. C'est vous qui avez donné cet ordre, you gave that ou order, c'est didn't un ordre qui venait or was it de, someone, de plus haut? Or was this order given from somebody from above? The accused, Mr. President. Réponse. The order to smash the four combatants from White 8 unit de l'unité Y8 was the order from the upper echelon venait de l'échelon supérieur for us to resolve the matter by ourselves when we have problems nous-mêmes le problème lorsque nous rencontrions des problèmes. So I handed the issue and the responsibility to Comrade Ho. J'ai mis l'affaire entre les mains de Comrade Ho. And once the Vietnamese troops reached Phnom Penh, vietnamiennes sont arrivées à Phnom Penh, the order was still in existence and they implemented the order. L'ordre était toujours en cours d'exécution et l'ordre a été mis à exécution. That's all, Your Honor. Voilà ma réponse, Monsieur le Juge. Alors, Judge on sait Laverne, que so certaines personnes ont survécu. People have survived.
Est-ce que la situation particulière de ces survivants particular situation of a fait l'objet d'une discussion entre vous et vos supérieurs? Est-ce qu'il y a eu des raisons particulières pour que ces personnes ne soient pas exécutées, to not execute these people? Ou bien est-ce que c'est le fait d'une certaine précipitation, was it just a result il n'y a pas of a eu certain de décision qui a été prise, and that there was no decision qu'est-ce qui taken s'est passé regarding them? What exactly pourquoi happened? Ces gens-là why sont toujours en vie? Why are these people still alive? The accused. L'accusé. Your Honor. Monsieur le juge. When Uncle Nguyen ordered S21 to empty the premises, sur laquelle S21 devait vider les lieux, I did not think of the people I kept to serve S21, the nine people. Qui restait à S21, savoir les 9 personnes. I did not think of the people I kept to serve me or S21. No, I didn't. Que j'avais gardé pour me servir à S21. Non, je ne pensais pas à cela. I never thought of that. That's why I did not ask him for confirmation. C'est la raison pour laquelle je ne lui ai jamais demandé confirmation. When Ho, lorsque Ho removed them, then les a emmenés, some people whom we trust, certaines personnes en qui nous avions confiance, étaient encore là. Among them, parmi celles-ci, there were 5 of them who were decided by the upper echelon that they should not be killed. Que l'échelon supérieur avait décidé de ne pas tuer. Apart from them, à part ces personnes-là, there were other people that I kept in the framework of S21 que j'ai gardé to be used at the location. À S21. So when the Vietnamese troops approached us, then I just fled and left them behind. Je me suis enfui et je les laissé là où elles étaient. So the reason that I left leaving these people behind and these people still survive until now. C'est la raison pour laquelle ces personnes ont survécu. Donc si je comprends bien, ce n'est qu'en raison de la précipitation dans la fuite que ces personnes ne se sont pas retrouvées exécutées. Ce n'est pas par une décision que vous avez réfléchi et qui venait d'une clémence particulière de votre part. Stem from some kind of specific clemency coming from you. The accused. Réponse. I did not have any actually mercy or thought of it. I just fled immediately without even thinking about this. Je me suis enfui immédiatement sans avoir cette question à l'esprit. Vous
vous venez également de faire état, si je ne me suis pas trompé, de ce que l'échelon supérieur avait décidé qu'il y avait cinq personnes qui ne devaient pas être tuées. C'est bien ce que vous avez dit. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous dire pour quelle raison ces personnes-là, l'échelon supérieur, pensaient qu'elles ne devaient pas être tuées? These people were not to be executed according to the upper echelon. The accused. Réponse. These five people were the artists. Ces cinq personnes étaient les artistes. That Pol Pot would like to keep in order to build a memorial monument on the top of Wat Phnom. Au sommet de Wat Phnom. À son image. And that's why he made such a decision. C'est pourquoi Pol Pot a pris to spare their life in order to keep them to build such monument. Pour qu'elle puisse ensuite participer à la construction du monument. Alors, au cours de ces dernières Judge journées d'audience, il semble que on puisse comprendre que vous n'aviez aucune volonté, aucun désir de visiter les lieux de détention, que vous ne vouliez center, ni voir and that you did not ni want entendre to, les prisonniers neither to hear nor to see qu'ils soient the prisoners interrogés ou torturés. While they were being interrogated and tortured. Il semble qu'on peut comprendre aussi I que vous n'aviez aucune volonté, aucun désir believe that we understood de that voir you had no desire les prisonniers to see exécutés the prisoners being executed, de voir les lieux and où ils étaient exécutés, to see the locations where they were executed, les méthodes d'exécution, and to get to know the execution de methods, les lieux and où ils étaient to enterrés, know the places where they were sauf, buried, except si however, vous étiez contraint, if you were obliged, si vous aviez un ordre and if you de vos supérieurs, were, had received an order from a superior who obliged you des contrôles. To quote unquote, est-ce que c'est checked on the situation? Bien qu'il a lieu de comprendre? Is this what we are supposed to understand? J'aimerais passer un autre. Réponse. The accused, Your Honor, your understanding is correct. Oui, Monsieur le Juge, vous avez bien compris. Alors, est-ce que cette absence Judge de volonté Lavergne, c'était so pour vous protéger vous-même, desire, was it, to protect yourself, pour vous protéger d'une réalité qui pouvait were you vous déranger, to shield yourself from a reality that you could pour find éviter disturbing, de vous trouver dans une situation inconfortable, ending up in uncomfortable situations? Réponse. The accused. It is also true, Your Honor, as I also mentioned Mais tout earlier, cela est vrai, Monsieur le Juge, comme j'ai déjà dit antérieurement. That I betrayed my friends only to survive myself, to further see the sunlight. À survivre moi-même. Et à continuer à voir la lumière du soleil. Est-ce que Judge pour vous, Lavergne, les détenus de S21 you, the prisoners of avaient S21, encore did they une réalité humaine? Still have any kind of human reality Est-ce que for votre you? Travail, c'était de simples Was opérations mathématiques, your job just executing simple mathematical des additions, operations, des such soustractions as, additions and subtractions? Est-ce que c'était simplement d'assurer la qualité des confessions? Was it simply to Est-ce make que sure c'était cela votre travail? To guarantee the quality of the confessions? Was that all your work was about? Bah, the accused.
In short, it could be seen that I had been quite involved in the confessions. It is true. C'est vrai que j'étais très impliqué dans tout le travail autour des aveux. I tried my best days and nights without feeling exhausted. Jour et nuit, en dépit de la fatigue. Kopantai. However, during that time, I tried. Pendant cette période, to avoid. Seeing the place that could affect my emotion. Les lieux qui pouvaient m'affecter sur le plan émotif. I knew that there were criminal acts. Je savais que des actes criminels étaient commis. But there was a feeling to comfort myself. Mais j'essayais de me réconforter. The government is accountable in the eye of the history. Aux yeux de l'histoire, le gouvernement est responsable. I was the police. Moi, j'étais un agent de la police. And in my capacity as the police, I had to fulfill my task. Je devais m'acquitter de ma tâche. Shocked, j'avais peur, and moved. J'étais choqué, but there j'étais was ému. The feeling, the small feeling deep inside me that kept me moving on. Me faisait continuer à aller de l'avant. However, if I look at the current situation, toutefois, si je regarde la situation actuelle, and having seen the annotations on those confessions, les annotations sur les aveux, I have observed that je constate it has a more criminal nature than the special unit who took Paul to be smashed. C'est plus criminel encore que ce qu'a pu faire l'unité spéciale qui a emmené les prisonniers pour y être à Chung Hek pour y être exécuté. The special unit who l'unité took spéciale the prisoners to be smashed at Chung Hek. Les prisonniers à Chung Hek pour y être exécutés. They only executed the Paul who perceived as dead and who had been ordered by the superior devant être exécutés sur ordre de leur supérieur. But for me, mais pour I moi, had a pen. I annotated on j'ai annoté the confessions avec and mon stylo, on documents to report j'ai to the et j'ai superior. Établi des rapports que j'ai envoyés à mes supérieurs. Although I tried to be very objective j'ai essayé d'être très objectif annotating on such lorsque documents. J'annotais ces documents. The upper echelon would only mais resort to trust on the annotation so that more arrests would be made from the documents. N'avait confiance à ces annotations que pour autant qu'il en résulte d'autres arrestations. This is the fact that I am accountable for the crimes committed at F21 and that I am responsible, even more responsible for only annotating on the documents than those who really took the prisoners to be smashed at Chung Hek. Que ceux qui ont emmené les gens and meanwhile, pour les exécuter, car moi j'ai annoté les documents. Et dans l'intervalle, documents concerning the political the party's line les documents concernant la ligne politique du parti that I used to teach people dont je me servais pour assurer la formation du personnel
that document has more criminal nature sont des documents than qui sont d'une nature my plus annotations criminelle encore on que the mes annotations sur or the confessions. Les aveux. Why? Pourquoi? Because parce that que party's line that was circulated la ligne du parti qui était diffusée really put pressure on the représente people une véritable who pression were trained or educated and made them become éduqués, more c'est criminal. Cette ligne du parti qui a fait de ces cruel. Gens des criminels ou des personnes cruelles. So, in conclusion, et pour conclure, if you look now to the picture I was taken si during that time, les it seems de moi à like I was rather proud at il that semble time que j'étais plutôt fier for maintaining the class. Stand le travail que je firmly. Faisais qui était de maintenir but fermement la position de classe. Now and mais analyze avec it, le recul I would say that et l'analyse, it is a shame. Je dirais que j'ai honte. It is shocking. C'est choquant. And it is very shameful for having such a et on ne peut to represent that I had que de la honte à se voir représenter ainsi more than en photo 12,000 pour, avoir, pour être responsable de la mort de plus de 10 000 personnes. So I am accountable for all the crimes je suis donc responsable pour tous S21. Les crimes commis à S21. At the same time, I was a member dans le même of the temps, party. J'étais membre du parti. I am moved for the fact that more than 1 point more than 1 million of Cambodian population had been killed. Sont morts. I am emotionally responsible for the more than 1 million people who were killed, and I am responsible for this act forever. Responsable de ces actes qui ont commis et ce pour toujours. I would like to end it now, Your Honor. J'aimerais en arrêter là, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres Judge questions, Lavin, Monsieur le Président. I do not have any further questions, Mr. President. Thank you. The President, is there any judges of the bench who would wish to put further questions to the accused? Souhaiteraient poser des questions à l'accusé? The President, I still need some clarifications on a few points. Could you please points. Clarify on the number of people who stationed at Chiang Ek? How many were combien there? Were they? And what Ek? Were their main functions et quelles étaient leurs principales fonctions roles. Ou leur rôle premier? The accused, réponse. Mr. President, there Monsieur were four people, as I remember. I don't remember their names, but I remember one person clearly, Toi Teng, who was the man who digged or dug the graves or pits, and when people left, he had to cover the pits and he had to make sure that people from outside could not be allowed in. So his main role was that. The President, number two. Can you tell me whether the pits, the size of the mass graves, were discussed or je advised si by you to the people there, for example, how big the graves would be dug, and so on?
ou d'autres détails concernant ces fosses. Mr. President, I did not explain or instruct in details like that. Instruction aussi précise. The President. Question. What about the prisoner of war, the Vietnamese prisoners of war? Were they s'agissant des prisonniers de guerre vietnamiens, ont-ils été tués in Phnom Penh, à Phnom Penh or at Chiang Ek? Ou à Chiang Ek? The accused, I'm not réponse. Sure, but I think je suis pas sûr de la réponse. Most likely, they were killed at Chiang Ek because there were people ready to transport them to Chiang Ek. Il y avait possibilité de les y transporter. The President, question. You said the key people. Vous avez dit. Who were they referred to? And what qualification that made you classify them as key people, or were there any other people as important as those detainees you called important? The accused, I would like réponse. To respond in two words. Number one, the key people were referred to people in the party and in the CPK during that time. Number two, no other person higher than Suu Sopan. And Suu Sopan had to be interrogated thoroughly. And later on, Won Wait, who was the sixth member of the Central Party Committee. Numéro six so, du comité central. Mr. President, personnes what passé. About Mr. Hoot Sambat, Hunam, Chau Sein? Hoot Sambat, Chau Sein, demande le président. Au hay nang mneak tit. The President. There were some cases with the names including Hoot Sambat, Hunam, Chau Sein, Peng Tont, Peng Tong, whom you talked about and referred to as your teacher, and he was also professeur, a dean at the Royal University of Phnom Penh, et doyen à l'université also de Phnom Penh. The ambassador. Il y avait aussi un ambassadeur de Democratic Cambodia, du Cambodge démocratique de Laos, Matuk alias Kaim. And there was also an ambassador of the DK ainsi qu'un to ambassadeur Vietnam, who were killed there. Du Vietnam. Toutes ces personnes ont été tuées. You consider them to be important? And est-ce que vous considérez que c'était des personnalités importantes? Where was the location when they were killed in Phnom Penh or at Chiang Ek? Est-ce que ces personnes ont été tuées à Phnom Penh ou à Chiang Ek? Réponse. I would like to separate the two matters. Il y a deux questions distinctes ici. The individuals who were the members of the United, the National United Front for Salvation. And the members of the DK government, they were called the intellectuals. I did not value them as important. So the interrogation process was not asked so rough as Hoot Sambat or Isapunthi ou d'autres. Because I did not pay much attention to their confessions, and that was what happened. And where they were smashed, I could not understand. But I believe they were taken to Chiang Ek. J'imagine qu'ils ont été emmenés à Chiang Ek. And for the people like the inside party ranks, the members, Chiang Ek, although he is an ambassador, he used to be a veteran in the revolution, vétéran de la révolution, and Tuch alias Kaim, and Yu Thol, they were the people inside the party. Des membres so du parti. The
interrogation has to be pour eux, more emphasized than those whom I just mentioned. Que pour les autres. These people might have been taken and killed at Jing Age. As for the professor Paynton, I did not know of his fate, but there might be a surviving document, and his interrogation was a preliminary investigation by Brother Bom Nai. Notamment pour ce qui est de l'enquête menée par Bom Nai. And he was interrogated by Brother Mom Nai, il a été interrogé and he was not tortured. Mom Nai et n'a pas été torturé. However, later on he died because of his sickness and the lack of food. Et de malnutrition. If he died at the security office alors, in s'il Phnom Penh, then the body would be buried in Phnom Penh. Son corps doit se trouver enterré à but proximité. I would not be able to say exactly about the location of the burial. L'endroit. However, for this, for this individual, pour ces personnes, whom I regret, is that I respected him as I respected Chau Sei or Rod Kun. If I knew, pour ces personnes, comme Chau Sei, I would provide the support beaucoup, the best that I could. As I provided the support to Chau Sei and Rod Kun, even if at a later stage I had to smash him according si to the order because that was the procedure, but at least I would feel relieved that I could have supported him. And this is frank. This is from my the bottom of my heart. Je suis honnête, I did not betray the soul of my teacher. Je n'ai pas trahi l'âme I would de ask mon for professeur. The forgiveness from the soul of my teacher. I didn't know about his fate at the time. If I knew, I would have supported him as I have supported Chau Sei or Rod Kun. And that is the reality. Voilà. So for this particular individual, I pour suspect his body was still within the compound of the security office in Phnom Penh. Dans l'enceinte du centre de sécurité à Phnom Penh. The President, Judge Cartwright, you have any questions to be posed to the accused? I notice the presence of the co-prosecutor. The floor is yours. Thank you, Mr. President. I don't, of course, propose to put any questions to the accused today. The prosecution doesn't. However, there seems to be just a small amount of confusion about whether or not the revised prisoner lists and the annexes have been put before the Treasury Chamber, and that's E68.1 to E68.51. I would just ask if you could confirm my belief that they have been put before the Chamber. Also, E53.1 to E53.24, which is the layout of S21, that photographic book, the first and first one album that was produced, and that has been properly put before the chamber, and I see some nods from the judges, so I assume that is the case. Les juges opinés du chef, donc j'imagine que ces documents ont bel et bien été produits. Yes, thank you, Mr. President. Mr. Smith, the chamber does confirm that the documents that you specified this morning and two of which you have just repeated are put before the chamber in terms of the guidelines issued and in terms of Rule 87. And of course, the same applies for the documents specified by the defense earlier this afternoon. I just want to take this opportunity of ensuring that you do not intend to put before the chamber now any photographs or any other documents, but that you will be reserving those items
to use during your questioning of the accused or through other witnesses. Is that the situation? That's correct, Your Honor. Or alternatively, at any other time, perhaps in the closing address. Yes, that is as the Chamber understood the position, but we simply wanted to clarify that now. So I believe that we have dealt with your request made earlier today and that there are no further matters in relation to your documents that we need to attend to. Thank you, Your Honor. There's no further matters. Le coprocureur, non, Madame la juge, il n'y a pas d'autres points à régler. Well, the President. Le Président. Because of the questioning of the fact, now the Chamber has reached its hearing time for today. We will adjourn and we will resume on the Monday, the 22nd of June 2009, from 9 a.m. During the proceedings from Monday, 22nd of June 2009, the proceeding would initiate by the co-prosecutor, the lawyers for the civil parties, et les avocats des parties civiles, to put questions to the accused regarding the operation of S21 and Chung-ek. And I would like to invite all the parties to participate in the proceeding. Security officer, take the accused back to the detention facility and bring him back on Monday the 22nd of June 2009 before 9 a.m. Pour 9 heures. L'audience est levée.